Et à cause de sa grâce, manifesté envers nous, que son nom soit loué à jamais. Parce qu'il est vraiment un Dieu tellement bon et doux. Il nous garde tous les jours. Et c'est une grâce. Parce qu'il a accepté que ces jours soient favorables pour nous. À ce point, nous minutes. Amen. Amen. C'est un jour de paradoxe. Est-ce que vous croyez au paradoxe? Kaka, oui, notre Dieu, c'est un jour de paradoxe. Et tous ceux qui nous demandent, c'est que nous avons seulement la foi. Quand nous avons la foi, il peut tout accomplir. Ce matin, je crois qu'il est capable d'accomplir chaque promesse sur le devant. Parce que ça vient ce qui me réjouit avec ces dieux. Avec ces dieux, c'est que avant même que tu me demandes quelque chose, lui connaît déjà ce que tu as besoin. Avant que toi tu demandes, avant que tu demandes, lui connaît déjà. Et ce matin, il connaît les besoins de tout un chacun. Le prophète dit, quand quelqu'un a faim, avant même d'avoir la faim, c'est-à-dire il doit y avoir quelque chose à manger. Amen. Quand tu as faim, ça te pousse à manger quelque chose. Non? Et si la chose à manger n'existait pas, tu n'allais pas avoir faim. Est-ce que vous comprenez? Avant que tu viennes dans la présence de Dieu, tu dois connaître que ce Dieu-là existe. Parce que si ce Dieu-là n'existait pas, toi tu ne pouvais pas avoir le désir de venir nous chercher. Et si tu es malade, tu as besoin de la guérison. Tu dois croire que la guérison existe. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi j'aime beaucoup ce chant. Dieu ne change jamais. Amen. Avant que tu prononces sa parole, quand il prononce, il accomplit. Que Dieu bénisse beaucoup ceux qui ont chanté ici. J'ai apprécié. Vous croyez aussi au chant, non? Vous croyez au chant? J'avais promis de vous lire quelque chose sur le chant. Pourquoi ils aiment chanter? Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le message, un paradoxe. Prêché le 1er août 63. Frère Branham dit. Au paragraphe 6. Je sais que vous êtes ici. Certains de ces bons chanteurs. Ah ah. Batou nimba
Amen. Amen. Certains de ces bons chanteurs. Branham cite le nom d'un chanteur de son église. Il dit Mel Johnson. Lui a parlé de Mel Johnson là-bas. Ils ne sont pas parlé de Joseph. Ils ne sont parlé de André. Ils ne sont les autres. Ils disent les chanteurs que je connais. Est assis ici. Je lui ai demandé de chanter pour nous ces cantiques. Qui me revient toujours dans l'esprit. Je fredonne sans cesse cela. Et cela parle de larmes qui coulent. J'aime cela. Et je pense qu'il va chanter pour nous au déjeuner des hommes d'affaires chrétiens ou quelque part. La chanson qui me vient toujours dans le c'est comme moi j'aime aussi souvent tu es la Seigneur. Ah ah. Amen. Quand cette chanson la joue, je me sens au ciel. Amen. Amen. Et il dit, Amen. Freddy, j'aimerais que tu t'assures de m'obtenir cette chanson-là. Une petite bande a enregistré cette chanson-là spécialement pour moi. Je vous payerai donc. Mes enfants veulent écouter cela. Lorsque je suis un peu déprimé, et que j'écoute cela, cela me fait du bien d'écouter un bon cantique. Maintenant, là où il y a un problème, vous savez, il y a quelque chose dans les chants. Il y a une puissance là dedans. Il y a une puissance dans le champ. Nous le savons tous. Nous en sommes conscients. Considérez une armée. Lorsqu'il chante et joue de la musique. Savez-vous que dans l'armée de Dieu, la musique occupe la première place quand on va en guerre? Les chanteurs marchaient devant l'arche. Jubila et chantant. Ensuite venait l'arche. Et puis c'était la bataille. C'est ça l'approche correcte.
choses dans le champ. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans le champ. Le champ donne du sourire. Amen. Quand on chante, on manifeste la joie. La joie, c'est aussi un signe du salut. Quand quelqu'un est sauvé, il est toujours dans la joie. Il aime chanter les cantiques de Dieu. Maintenant, nous allons écouter la parole. Après que nous avons chanté. Et le thème aujourd'hui, vous le savez déjà. Nous parlons sur un paradoxe. Nous parlons sur un paradoxe. Souvent, moi, quand le Seigneur m'inspire à parler sur quelque chose, j'aime que nous lisons l'écriture, nous appliquons cette écriture-là. Amen. Amen. Nous lisons et nous appliquons. Ou pas nos maisons, et ça reste dans l'histoire. Non, moi j'aime pas cela. Nous allons lire la Bible maintenant. Ok, prenez ensemble avec moi dans les livres de Josué. Je crois même ceux qui nous suivent sur les internets, vous allez aussi comprendre que même si vous mettez la foi en Dieu là où vous êtes, si c'est dans quel pays, si c'est où, le Seigneur va toujours vous assister. Amen. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10. Le verset 12. Verset 12, comme il est bon Dieu. Nous allons lire 4 versets. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Soleil. Arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la ville d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendue sa course. Jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là. Ni avant, ni après. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Amen. Seigneur, nous avons lu les Écritures. Viens interpréter ta propre parole, parce que nous ne pouvons pas, Seigneur. Et nous savons que la vraie interprétation de ta parole, c'est quand tu l'as fait, quand tu l'accomplis. Amen. Ainsi viens toi-même et prends le contrôle sur moi qui suis un humain. Je m'abandonne à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons assis. Ah, je suis ma opinion. Ok. Je crois que c'est la lecture un peu claire. C'est un livre où l'Ophébanam aussi a lu
C'est l'écriture que frère Branham aussi a lu pour parler de ce sujet ici. Un paradoxe. Amen. Amen. Et j'ai cherché à ce que nous puissions comprendre ce que c'est un paradoxe. Je crois, si vous pouvez consulter les dictionnaires, vous saisirez qu'un paradoxe, c'est d'abord quelque chose qui étonne. Amen. Amen. C'est quelque chose qui étonne les gens. Maintenant, si vous remarquez quelque chose qui étonne, c'est quelque chose qui est un peu rare. C'est quelque chose que les qui dépasse un peu les entendements des gens. C'est que les gens ne peuvent pas saisir facilement. Voilà un paradoxe. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous croyons, il est un Dieu inhabituel et il fait les choses d'une manière inhabituelle. Maintenant, dans sa manière inhabituelle de faire les choses, c'est là que beaucoup de gens n'arrivent pas à le reconnaître. Parce que aujourd'hui, ça n'a même pas commencé aujourd'hui. Si vous remarquez toute la marche de l'église, les gens ont toujours leur conception des choses sur ce que Dieu et sur ce du comment Dieu doit faire les choses. Les gens ont toujours leur conception. Mais Dieu, quand lui vient pour accomplir quelque chose, il va toujours en dehors des pensées des gens. Et peut-être toi tu es là. Tu t'attends, c'est que si Dieu veut venir, il va venir par cet arrangement. Pendant que toi tu regardes ici, nous sommes par un petit trou ici. Amen. Mais quand il sort là, si tu n'es pas la semence prédestinée, tu ne sauras pas que c'est lui. Nous sommes Israël, Israël, en Égypte, nous sommes en Égypte, dans l'esclavage. Oui, quand nous sommes en Israël avait la promesse. Israël, Dieu leur avait dit, après 400 ans, moi l'Éternel, je descendrai par ma main puissante et je viendrai vous délivrer. Vous allez sortir de cet esclavage. Par quoi? Répondez là-bas, par quoi? Par la main puissante. Et quand les 400 ans se sont parcourus, Israël, attendant la main puissante de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Alléluia! Pour vous délivrer, moi-même, je ne peux plus. Et l'autre a dit, écoute, Thérèse, qui t'a établi chef ici au milieu de nous? Petit, même toi, aux hommes, tu as une personne. Hein? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Tu veux dire, l'Égyptien? Il n'a pas reconnu la chose. Pourquoi? Et Satan a une main puissante. Mais Dieu a envoyé la main à sa manière. Ce n'est pas une main à la manière des hommes. Mais c'était une main à la manière des hommes. Et la main à la manière des hommes.
C'est ça la main. Tu t'as dit dans un échec. Alléluia. Amen. Et cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois que tu les Juifs. Dans les synagogues, les chants toujours. Mon Messie va venir. Mon Messie va venir. Mon Messie va venir. Il sera prophète. Mon Messie va venir. Le Ouen va venir. Partout dans les églises, on attendait l'arrivée du Messie. Mais ils avaient leur manière selon laquelle le Messie devait venir. Mais Dieu, quand il a envoyé le Messie, il l'a envoyé à sa manière. Apprendre les gens et Seigneur, laisse-moi m'en aller en paix. Parce que mes yeux ont le salut d'Israël. Et pour le monde là-bas, après me regarder, qu'est-ce que Siméon veut dire? Où est le salut d'Israël? Un bébé dans les bras. Moi, nous prions ça. C'est là que ça devient un paradoxe. Nous attendons Messie. Et le Messie arrive. Messie nous présenter un bébé. Dans une crèche. Il est venu où? Il est venu. On ne sait pas dans quel séminaire il est sorti. On ne sait pas dans quel je peux dire centre biblique il est sorti. Mais quand tu viens nous le présenter, que ce soit le salut, c'est là que ça devient un paradoxe. Retournons maintenant. Parlons de frère Josué. Frère Josué, Monsieur Otto avait la promesse. Amen. Amen. C'était après que Dieu avait déjà fait sortir Israël. Il a gardé quoi pour un zame avant de l'Israël. Par Moïse. Arrivant en route, le combat de notre jour. Vite, le combat de notre jour. Il est dans nous. Mais Dieu avait dit à Josué. Tu as dit moi, mais les gars, Josué, fils de nous, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple dans sa possession. Josué avait la commission. Mais à une seule condition. Quelle est cette condition? Que ce livre de la loi. Écrite par mon serviteur Moïse, que ceci ne s'éloigne pas de ta bouche. Toi, Josué, prends ce que Moïse a dit, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi Moïse, laissez-moi vous dire, Moïse avait la grande commission pour Israël. Parce que celui qui avait rencontré la colonne de feu, un ange lui était apparu dans le buisson ardent. Moïse avait parlé avec Dieu face à face. Et Dieu lui a envoyé. C'était la grande commission. Il a fait sortir le peuple. Arrivant en route, Dieu l'a repris. Il a suscité Josué pour continuer l'œuvre que Moïse avait commencé. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, pour que tu puisses réussir, prends ce livre de la loi de Moïse. C'est pourquoi dans Actes chapitre 15, il est dit, amen. Partout dans les synagogues, il y a un homme qui est venu. Moïse avait
des gens qui le pressaient. On pressait qui? Moïse avait des gens qui le pressaient. Est-ce que vous pouvez? Il y a quelqu'un qui peut être prêt pour la connaissance? Ok, je suis là. Acte chapitre 15, verset 21. Là, c'est la Bible qui dit. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. On pourrait dire, Moïse a dit, 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 et interpréter ce que Moïse a dit, c'était serait la réussite. Et je vous dis la vérité, pour l'Odyssée, en ces temps de la fin, Dieu a envoyé quelqu'un avec la grande commission pour ces temps de la fin. Et cet homme, c'est Élie le prophète, promis dans Malachie 4. Il nous a ramené à la parole prime. C'est pourquoi je vous dis que tu sois une faisait 4, que tu sois archibishop, que tu sois apôtre, que tu sois évêque, que tu sois pasteur, en ce temps de la foi, si tu ne répètes pas ce que Branham a dit, parce que il est la grande commission pour ce temps. Je vais vous le prouver par les écritures. Amen. Amen. Et Dieu avait dit à Jésus, pour que tu puisses réussir, un jour Moïse a dit, maintenant regardez, quand Josué marchait avec Moïse a dit, arrivons quelque part, c'était un combat. Vite la capa tout corps. Alléluia. Les adversaires sont venus pour combattre Israël. Mais Israël avait déjà la promesse. Quand vous répétez ce que Moïse a dit, tu vas réussir. Donc il n'est pas question d'aller encore en épée Dieu avec des bruits. Seigneur, Seigneur. Non. Tout ce que tu dois faire, c'est de répéter ce que Moïse a dit. Quand tu marchais dans cela, le combat se déclenche. Josué, Yeshua, comme un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, ils sont allés consulter l'Éternel. L'Éternel a dit, je livre ce pays entre vos mains. Même tu m'aimes, je ne vais pas te dire. Ce peuple, les Gabaons et les autres, tu sembles, tu t'amènes d'abord, mais bonsoir. Je vous les livre entre vous. Vous allez les exterminer tous. Dieu avait parlé. Est-ce qu'il avait fallu que Dieu vienne encore pour aller commencer à tuer ces gens-là? Non! C'est à vous!
J'ai prononcé la parole. Il vous a donné l'autorisation. Qu'est-ce que tu attends? C'est pas pour des jours. C'est là ce que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. Nous a donné la parole. Nous a donné l'autorisation. Mais que font les croyants avec cette autorisation-là? Écoutez, il l'a dit. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Maintenant, tu es un chrétien. Tu es devant un malade. Qu'est-ce que tu dois faire? Allez encore demander au Seigneur que je fasse quoi? Est-ce que vous êtes ici? Soyez dans la salle. Allez encore demander au Seigneur que je fasse quoi? Non! Dieu a donné l'autorisation. Zar mon nom, imposer seulement les mains, et le malade est guéri. C'est là que David est juste. Ce n'est pas moi qui ai prononcé la parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit cette Bible. Ce n'est pas moi qui lui avais dit de prononcer ces paroles. Mais dans son c'est pourquoi je vais leur donner l'autorisation que quand vous tombez malade, imposez les mains, priez et la personne est guérie. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, et qu'il vient devant moi, pour que je prie pour lui, je n'ai pas autre chose à faire. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Ah, le Seigneur m'a déjà donné la parole. Je prie. Quand je prie, je crois, tu reçois la guérison. Quand tu es guéri, c'est fini. Et c'est comme ça même que tout ce miracle est venu de goûter là, c'est comme ça que ça s'accomplit. Mais si je me place, je te dis que tu si tu mets ma Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Alléluia. Amen. Et tu leur avais déjà donné ce sang. Allez combattre. Josué est parti. Dans le combat. Il a commencé à combattre. Il a commencé à combattre. Avec les soldats d'Israël. En plein combat. C'est là qu'il y a le problème. En plein combat, le soleil commence à aller se coucher. Maintenant, Josué savait que si le soleil se couche, nous allons perdre la lumière. Et si la lumière, nous allons perdre la lumière. Nos ennemis vont se réunir. Et ils viendront encore pour nous attaquer. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit que nous devons triompher ce genre. Et nous avons besoin du temps. Le temps va déjà se coucher. Que je fasse quoi? Amen. Amen. Que je fasse quoi? Amen. Seigneur, que je fasse quoi encore? Gédéon n'a pas pleuré. Il a dit, je n'ai pas quitté mon poste du devoir. Je suis sur mon poste du devoir. Alors sur mon poste, dans mon bureau, j'ai le droit de prendre chaque décision que je veux. Et Gédéon a
Josué a pris la décision. Joshua, quand tu parles, tu crois. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est levé. Il a dit. Il a pensé à quelque chose. Je crois que c'est là que nous allons y arriver. C'est l'homme. Quand Dieu l'a créé, Dieu lui a dit. Tu seras comme un Dieu sur la terre. Et toute la nature doit t'obéir. Alléluia. Toute la nature doit obéir à un enfant de Dieu. Josué est pas un enfant de Dieu. Il a reconnu cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé la parole. Il a dit non. J'ai besoin du temps. Consolez-le. Allumez-moi. Là où tu es. Arrête-toi. Moi je viens combattre. Et toi libre. Ne bouge pas. Restez là. Jusqu'à ce que je termine mes combats. Le soleil a dit à vos ordres. La lune a dit à vos ordres. Et vous les scientifiques, retournez un peu dans le système de la relation. Alléluia. On dit la terre tourne tout autour du soleil. Et posez-moi un peu la question. Quand le soleil s'arrête, est-ce que la terre tourne? Quand le soleil s'arrête, est-ce que la terre peut tourner? La terre ne tourne pas. Laissez-moi vous dire, toute la nature s'était arrêtée par la parole de l'homme. Et chez Manambi, les créatures écoutent la voix de leur créateur. L'enfant du créateur, les saintes créatrices sont en moi. Et quand je prononce la parole, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole créatrice. Ah, voilà ce qu'était Josué. Et aujourd'hui, un enfant de Dieu, quand tu reconnais ta position, le diable ne peut pas se jouer de toi. Je vous dis la vérité. Moi, d'abord, moi, le diable ne se joue pas de moi. Parce que depuis que j'ai connu ce Dieu, Dieu m'a fait grâce de reconnaître ma position. Même pendant la nuit, même pendant les jours, même si je pars en Europe, même si je pars en France, même si je connais ma position, position même des mondes de ce jour de moi. Parce que je connais ma position. Josué a prononcé la parole. Soleil, arrête-toi. Et Pauline, reste là où tu es. Vous devez me donner la lumière pour que je termine mes combats. Le soleil s'est arrêté. La lune s'est arrêtée. Qui avait fait ça? Prieur. Maintenant le prophète dit, le prophète lui a mané. Si vous lisez l'Ancien Testament, si vous lisez le Nouveau Testament, si vous ne voyez pas Jésus là-dedans, tu as mal au lit. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Quand tu lis, si tu ne vois pas Jésus, tu es mal au lit.
l'intérieur. Amen. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un a aussi vu ça? Ah, il y a les autres qui l'ont fait. Et Jésus, c'est quoi? Amen. Amen. Jésus même, c'est quoi? Jean répond, il dit, Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, a habité parmi nous. Et c'est cette parole qui a pris le nom Jésus. Alléluia. Et quand je regarde Josué, je vois la parole à lui. C'était la même parole qui avait créé le soleil. C'est pourquoi quand elle dit soleil, arrête-toi, le soleil dit mais c'est toi qui m'as créé. Alors tu me dis de m'arrêter. Pourquoi je dois résister? Le soleil obéit parce que la nature reconnaît ce que les gens ne reconnaissent pas. Ah, tu peux tu manes tuer, tu te montres à la manette. Laissez-moi vous dire. Regarde la l'attitude des gens aujourd'hui. Oui, quand tu as battu les mots. C'est même plus que les démons. Ah ah. Bienvenue à Batan, il y a des amis, peut-être une démon. Parce que le démon, moi une démon, reconnaît même ce que les gens ne reconnaissent pas. Moi une démon, au moins il tourne une bête, tu vas te faire la manette. Pendant que je parle ici, pas une abouda. Le démon connaît ce qui est en train de parler à moi. Le démon connaît ce qui est en train de prêcher. Mais pendant qu'il y a les autres, peut-être ici ne sachant pas ce qui est en train de parler. Regardez, quand un enfant de Dieu s'élève, qui est malade, peut-être c'est la fièvre qui est en toi. Je regarde la fièvre. Toi, fièvre. Tu es un démon. Je te recommande. Sors de ce corps. Au nom du Seigneur Jésus. La fièvre dit. C'est le chef qui a parlé. La fièvre part. Amen. Amen. Que quelqu'un est guéri. Nous sommes nous tout comme on a pris. Il se réjouit. Ou pas vous encore. Et Branham dit, et Branham dit amen. Les démons ne craignent pas notre apparence. Les démons ne craignent pas notre grandeur. Non, parce que j'ai une grosse voix. Parce que j'ai un gros ventre. Alors c'est pourquoi, si je me tiens devant les démons, les démons vont fuir. Je me dis même si tu es gouverneur, les démons ne te craignent pas parce que tu es gouverneur. Ils ne te craignent pas pour ça. Mais le diable a perdu les seules choses. Savez-vous quoi? Demandez-moi quoi? La parole de Dieu. Et un enfant de Dieu, il a la parole en lui. Et quand tu as la parole, quand le démon te regarde, il voit la parole, il nous prend. Que Dieu bénisse la sœur Chantal. De ce témoignage qu'elle venait de donner. Quand j'étais à Kinshasa, quand je suis parti dans la parcelle là, où sa maman, je suis entré comme un simple garçon qui est entré comme ça. Je suis en train de les gens étaient assis là. On s'est salué comme des. Alors, c'était fini, on nous a servi. On s'est assis. Je suis resté.